Donne-moi ta paix, Seigneur, ta paix. Donne-moi ta patience, Seigneur, ta patience. Seigneur, ton amour est si fort pour moi. Ton amour est si puissant. Ton amour est si fort, mon Dieu. Ton amour est fort. Je m'abandonne à toi, Seigneur, au sein de ma vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je n'ai pas. Donne-moi l'intelligence, Seigneur, ton intelligence. Donne-moi la sagesse, Seigneur, ta sagesse, Seigneur. Seigneur, sois réellement béni. Levons-nous, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 119. Psaume chapitre 119. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements, je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi. Peu m'importe si le mal surgit, l'Éternel est grand. L'Éternel est dans le camp. L'Éternel est dans le camp. Moi, je garde
Nous gardons notre confiance, notre Père Céleste et notre Dieu, pour ta présence qui ne fait jamais défaut, mon sauveur. Là, nous sommes réellement sûrs et certains, rassurés aussi, mon bien-aimé Père, oh Dieu, de ce que, quand tu es au milieu de nous, tout est possible. Béni sois-tu, oh notre Dieu. Toi qui es l'auteur de la vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Toi aussi qui es l'auteur du pardon, parce que le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on puisse te craindre, mon roi. Merci pour ce que tu as accompli pour nos pères. Tu nous as sanctifiés, nous as purifiés, nous as aussi lavés, mon bien-aimé Père. Nous sommes ton peuple à toi, mon bien-aimé Père, oh Dieu, le troupeau de ton pâturage, conduit encore aujourd'hui, Père. Que ta main bénie, tenir, qu'on tient encore davantage, mon roi. Merci pour mon frère que tu tiens. Merci pour ma soeur que tu tiens. Merci pour ce peuple qui est à toi, Père. Que tu tiens dans ta main, mon bien-aimé Père, oh Dieu, que tu conduis réellement parce que tu es réellement le bon berger, Seigneur. Béni sois-tu encore de ce que tu nous conduis véritablement vers pâturage pour nourrir nos âmes, mon bien-aimé Père tibissant. Tu le restaures, nos âmes, mon bien-aimé Père tibissant. Tu nous fortifies encore davantage, mon roi. Tu nous guéris, tu nous rétablis, mon bien-aimé Père tibissant. Tu nous délivres aussi, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Et tu fortifies aussi nos membres languissants. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom, mon Seigneur. Merci pour la foi que tu nous as donnée, Seigneur, pour que nous puissions croire à ta parole, à toi, à tes promesses et aussi recevoir ce dont tu as eu à pouvoir aussi promettre. C'est par la foi que nous recevons le Saint-Esprit, mon bien-aimé Père Dieu, que nous croyons que tu l'as dit et tu l'as fait et que tu le feras aussi, mon bien-aimé Père Dieu. Merci pour les cantiques que nous avons entendues. Merci aussi, Père son Dieu, pour tout ce que tu as fait pour mon frère et pour ma soeur. Merci d'avoir protégé, gardé, Père du Puissant Dieu, Père, rassemblé encore en ces lieux, mon bien-aimé Père Dieu. Merci encore pour cette nouvelle année, Seigneur, dans laquelle tu nous as fait entrer aussi, Père tout puissant. Et nous t'en sommes vraiment reconnaissants de nous retrouver en premier jour, Père Tibissant, c'est dimanche, Père Tibissant, Dieu, l'année. Oh, que tu sois exactement béni, mon bien-aimé Père. Merci pour ton amour, car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous rende aussi heureux, et que cette année soit vraiment une très, très bonne année pour chacun de vous. Et comme nous le savons, c'est une année de persévérance dont nous voulons persévérer et que nous recevions ce que notre Dieu nous a promis. Nous devons demeurer dans la parole de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur notre Dieu soit béni et glorifié pour le soutien et le secours qu'il ne cesse de pouvoir nous apporter. Qu'il soit béni pour aussi nos frères et sœurs qui sont venus de lointains pays et aussi, et de près aussi. Et nous rendons gloire à notre Dieu pour cela et qu'il fortifie tous ceux qui sont en connexion aussi dans différents endroits aussi en ce jour. Qu'il bénisse richement notre frère Trésor qui est parmi nous, je pense qu'il doit être là, je suppose que s'il est là, s'il peut se lever, voilà, lève-toi mon précieux frère. Je crois que vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous comprenez pourquoi nous sommes heureux. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'être venu. Tu peux t'asseoir mon précieux frère. Je pense que nous comprenons effectivement aussi combien beaucoup de frères et sœurs peuvent aussi avoir ce désir de pouvoir se retrouver ensemble avec aussi leurs frères. J'ai recevé tout à l'heure aussi, pendant que j'étais dans mon bureau, avant de pouvoir monter un message de notre sœur bébé que vous connaissez. Ah oui, elle est toujours là, que Dieu la bénisse. C'est très touchant de pouvoir voir que nos frères et sœurs, même des contrées aussi lointaines, sont restés aussi toujours en communion avec nous, désirant réellement prendre part à ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir faire. Et il fait aussi, et la grâce que nous avons, qui nous a introduit dans une nouvelle année, qui est donc l'année 2021. Et comme aussi nous avons pu aussi l'entendre aussi, et réaliser aussi que le même Seigneur qui a été avec nous en 2020, qui nous a fait traverser toutes ces périodes de contagion de ceci et de cela, et qui nous a gardés
à traverser aussi avec nous jusqu'en 2021. Donc, si donc l'Éternel est pour nous, alors qui sera contre nous? Et nous savons qu'avec lui, nous avons toujours fait des exploits. Et certainement encore, nous le ferons. Nous lui rendons gloire et honneur pour cet amour qui ne cesse de pouvoir nous témoigner et sa fidélité à l'endroit de sa parole. Nous le supplions de pouvoir vraiment nous tenir encore par sa main, malgré nos faiblesses et nos manquements, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'il nous aide effectivement à avancer et qu'il puisse réellement nous soutenir dans notre marche avec lui jusqu'à ce que nous atteignions effectivement cette position dans laquelle il nous a destinés. Que le Seigneur, notre Dieu, fortifie et bénisse chacun de vous tous, qu'il réveille encore davantage l'amour dans l'âme de chacun de nous et aussi le zèle puissant pour lui, comme il pouvait nous dire que les ailes de ta maison me dévorent. Nous voudrions effectivement revenir que dans cette année encore davantage, que le Seigneur, notre Dieu, nous aide à pouvoir l'aimer plus que toute autre chose. Nous le remercions vraiment aussi pour tout ce qu'il a vraiment fait pour nous tout au long de cette année qui vient de se passer. Je crois, je reconnais, ce n'est pas pour dire parce que on pense qu'on fait seulement dire pour embellir les choses. On n'embellit rien du tout. Ce que nous disons, c'est vraiment la vérité, ce que nous avons donc vécu. Amen. 2020 a été une très bonne année aussi. Oui, c'est vrai que pour les uns, Corona est venu, mais Corona vient, nous l'avons dit, ne l'oubliez jamais. Corona, ça vient, Corona, ça passera. Amen, amen. Et Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir expérimenter encore beaucoup de choses dans les domaines spirituels. Les gens ont été dans le trouble dehors, effectivement, mais nous, nous avons eu des riches bénédictions de Dieu dans les domaines spirituels, des expériences puissantes avec Dieu. Il nous a montré ce que nous étions à l'intérieur. Il nous a aussi montré aussi ce que nous devons être aussi et comment se tenir pour garder donc la victoire. Nous n'avons pas peur de ce que le monde peut faire, de ce qui peut arriver. Nous avons seulement peur et nous avons seulement de la crainte pour ce que Dieu est capable de faire. C'est pour ça qu'il nous a appris à pouvoir réaliser une chose, c'est que la puissance et l'autorité nous revient. Amen. Peu importe ce que les hommes peuvent penser avoir comme puissance, même financière, dans l'armement nucléaire et tout ça, lui, il nous prouve qu'en un instant, il peut tout faire arrêter. Aujourd'hui, les gens sont en train de se gratter la tête contre Corona. Un petit virus a mis à genoux le monde entier. Un petit virus. Petit virus. Et d'ailleurs, il est comme le virus de la grippe. Ah oui, mais il a mis les nations par terre. Vous savez, l'économie par terre. Alors, où sont donc vos bombes? Où sont donc vos ceci? Parce que, si je comprends très bien, vous savez, comme ils disent, nous sommes en guerre. C'est pas moi qui dis, ce sont les termes qu'ils ont utilisés. Mais en guerre contre qui? D'ailleurs, pour le prouver, nous sommes dans ce qu'on appelle le couvre-feu. Parce que l'ennemi est à l'extérieur. Mais l'ennemi en question, c'est qui? Alléluia. C'est ça la question. Eh bien, si nous avons identifié l'ennemi, eh bien, c'est l'ennemi que nous devons mettre toute la responsabilité. C'est qu'est-ce que vous comprenez? S'il faut arrêter, on arrête l'ennemi. Voilà. Maintenant, on arrête les gens qui sont des innocents. On laisse l'ennemi courir parce que l'ennemi, c'est le virus.
Mais arrêtez-le, parce que nous sommes dans le couvre-feu, c'est que veut dire que celui qui doit sortir, c'est celui qu'on va arrêter. Donc c'est le virus qui circule librement. On l'arrête. Mais c'est vrai, frère. Le virus, il est libre, il circule librement. À gauche et à droite, personne ne l'arrête. C'est ce que Dieu veut nous montrer, qu'il est le Tout-Puissant. Même l'intelligence des hommes à certains moments s'arrête. On bouche les trous ici avec les virus qui dit bon, on va le maîtriser, on l'a maîtrisé, les vaccins sont. Et puis là-bas, on entend qu'en Angleterre, il y a encore une nouvelle souche. Alors c'est comme, vous voyez qu'il y a des fuites d'eau. Vous bouchez ici, il y a une fuite qui sort ici. Mais finalement, vous allez vous mettre comment pour qu'il n'y ait pas de fuite d'eau. Invoque-moi dans le... Et ma soeur, Alléluia! C'est Dieu qui a fait les promesses dans sa parole. De qui avez-vous peur? Vous êtes confié tellement dans la médecine à ces siècles-là. C'est un petit virus. Il n'y a encore rien qui est arrivé, frère et soeur. C'est un petit, il est là. Regardez comment les gouvernants par terre, tout le monde maintenant, il est masqué partout. Et nous souffrons avec les masques et tout ça. D'accord. Que le Seigneur, notre Dieu, soit donc glorifié. Cette année qui vient de passer, il nous a beaucoup instruits. Oui, nous avons beaucoup appris de notre Seigneur. Vraiment, il est merveilleux, notre Dieu. Nous pouvons dire, tu es vraiment merveilleux. Et que ton nom soit béni. Parce que tu nous as pas, et tu nous as prouvé aussi que tu étais toujours présent. Malgré le moment difficile, nous te voyons. Quand la maladie venait, nous te voyons. Ouais, nous les sommes vraiment reconnaissants. Je le remercie de tout mon cœur d'avoir gardé mes frères et sœurs. Ah oui, c'était ma prière et mes larmes de tous les jours. Et oui, c'est la vérité, frères et sœurs. Je lui dis, qu'est-ce que je peux te donner? Parce que vous ne pouvez pas réaliser ce que Dieu a fait pour nous. Il a fait des grandes choses. Aujourd'hui, nous pouvons être là pour pouvoir lui dire merci. Mais nous pouvions aussi traverser aussi comme les autres. Il nous a gardés. Il a gardé aussi nos enfants. Et aussi la maison et tout ce que nous avons. Il a étendu donc sa main sur chacun de nous. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas chanter les chants de Sion pour sa gloire? Vous savez, je disais, c'est dimanche ici. C'est un jour qu'on doit prendre du temps et donner du temps. Mais je vois mon frère là-bas qui est derrière. C'est pas le frère bienvenu? Mon précieux frère. Ah, Dieu nous aime. Hier, j'ai pensé à lui. J'ai dit, mon Dieu. Et ce matin, j'ai pas dit, mon Dieu, mais on l'a gardé quelque part, mon frère bienvenu. J'ai dit, Seigneur, comment? Enfin, j'ai dit, ok, parce que la maman voulait, ça dit, ce n'est pas grave. J'ai dit, mais je rentre ici, je parle, et puis j'ai dit, Dieu est grand. Ah, que le Seigneur te bénisse. Vous savez, j'avais envie de lui sourire. C'est, mes frères, vous pouvez pas comprendre. Non, que Dieu te bénisse. Amen. Dieu sait consoler les gens. Amen. Te voir est une consolation, mon frère. Nous remercions Dieu vraiment pour son amour et sa bonté. Vous voyez, il fait des grandes choses pour nous. C'est que nous lui sommes vraiment reconnaissants pour cela. Et je disais donc, en ces jours, si les premiers jours de l'année, dimanche, on va quand même prendre du temps pour louer notre Dieu, pour prier le Seigneur, pour écouter la parole de Dieu, et puis aussi prier aussi pour les malades. Je crois que tous nous avons besoin de ça. On prie pour nous, et voilà que nous avons aussi un service, comme vous l'avez remarqué. Ah, il fait toujours de merveilles, notre Dieu.
C'est vraiment une grâce extraordinaire de ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir aussi donc, témoigner aussi. Il y a, vous savez qu'en France, je suppose que c'est cela, je pense que ça doit être le cas, peut-être que le couvre-feu commence à 18h aujourd'hui ou... Aujourd'hui déjà? Ah, c'est ça le problème, c'est que, comme vous comprenez, parce que il doit aussi. Alors vous voyez comment le temps vient, et puis comme une pression qui vient, parce qu'il faut 3 heures de route. Bon, vous comprenez. Aïe. Seigneur notre Dieu, vous savez, nous devons vraiment donner du temps à Dieu. Parce que c'est aussi un jour que je remercie le Seigneur de tout mon cœur pour ce qu'il a fait pour chacun de nous. Nous voulons le louer, le remercier vraiment du fond de notre cœur. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, de tout mon cœur, je voudrais vraiment te dire merci de ce que tu m'as permis, Père, de traverser cette année 2020 et jusqu'à cette année 2021 avec tous les frères et sœurs que tu m'as donné la grâce de pouvoir avoir, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Oh Dieu, quelques-uns sont donc rentrés à la maison, mais le grand nombre de cela, nous pouvons le voir aussi, Père. Je pense à ma sœur qui est aussi à l'île des Réunions là-bas, notre bien-aimé sœur et tous mes précieux frères et sœurs qui sont sur les îles, les pays, alentour aussi, bien-aimé Père Tubissant, au Canada, aussi là-bas en Espagne, notre précieux frère Koulibaly avec toute sa famille, mon bien-aimé Père, oh Dieu, chaque frère et chaque sœur dans différentes contrées, dans différents endroits, qui tu nous as donné la grâce de pouvoir avoir, mon bien-aimé Père, oh Dieu, dans tout le pays où peuvent se trouver, tant en Asie, mon bien-aimé Père Tubissant, que aux États-Unis, partout en Afrique, Père Saint, oh Dieu, tous nos frères qui sont accrochés, Père Tubissant, oh Dieu, à cette parole, mon bien-aimé Père, oh Dieu, que tu as gardé, que tu as donc protégé malgré les épreuves, malgré le virus, malgré les maladies qui sont donc qui ont frappé les gens, mon bénémoine Père Tubissant. Mais tu as été fidèle, mon bénémoine Père Dieu. Tu as toujours été présent pour pouvoir réellement aussi agir, mon bénémoine Père Tubissant, Dieu, nous montrant, nous témoignant que tu es toujours présent, le Jésus-Christ de la Bible. Sois exalté, mon bénémoine Père Tubissant, Dieu, et sois aussi béni, oh Dieu, sois aimé. Merci, du fait fond de notre cœur, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Merci pour avoir gardé, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Merci pour nous avoir protégé, mon bien-aimé Père Tubissant, et ta protection est toujours encore jusqu'à ce que nous avons tellement besoin de cela, mon bien-aimé Père, oh Dieu, pour nous garder, pour nous protéger, pour nous conduire encore davantage. Sois béni et sois exalté, mon sauveur. Mon âme te loue encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père, oh Dieu, pour ce que tu es, ce que tu as fait, mon bien-aimé Père Tubissant. Tu nous as vraiment protégé, tu as pourvu, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu. Il nous a rien manqué, mon bien-aimé Père Tubissant, tu as pourvu à l'argent, tu as pourvu aux vêtements, mais pour Dieu, la nourriture, mon roi, et dans tous les domaines de notre vie, bien-aimé Père, oh Dieu, tu as toujours été là, malgré les difficultés que nous avons traversées, mon bien-aimé Seigneur. Louange et honneur à toi encore aujourd'hui, Père, pour cet amour immense que tu as placé dans notre cœur, et nous voulons en retour te dire merci pour cela, Père. Loué soit ton Saint-Nom, pour ta grande bonté et tes grandes compassions aussi, mon bien-aimé Père. Merci pour ce que tu es et ce que tu fais, Seigneur. Pour tous les frères et sœurs que tu nous as aussi donné et la grâce de pouvoir traverser ces moments, oh, d'être si pétubissant de l'autre côté aujourd'hui. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions de nous avoir gardés en ces lieux, d'avoir réellement aussi protégé pétubissant chaque fois que nous y étions et que nous y sommes encore. Nous te rendons gloire et honneur pour cela. Sois béni, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Et c'est vrai que le temps court aussi vite et nous allons essayer de pouvoir prendre le temps comme le Seigneur nous accorde cette possibilité. Puisque c'est quand même le premier dimanche de l'année aussi. Je voudrais aussi de tout mon cœur vous exprimer aussi ma reconnaissance pour tout l'amour aussi et aussi les soutiens que vous avez toujours eu à pouvoir apporter aussi pour toutes les prières que vous avez effectivement aussi adressées à mon endroit pendant toute cette année qui vient donc de passer et tout ce que vous avez aussi à pouvoir contribuer aussi pour que, par la grâce du Seigneur, j'atteigne aussi les contrées les plus lointaines aussi et
toutes les assistances que vous avez aussi permis aussi que nous puissions aussi apporter aux différentes églises, parce que je voudrais certainement aussi vous le dire, nous supportons et nous aidons beaucoup de gens de par le monde, effectivement aussi, et des églises aussi qui sont donc nos frères et sœurs, parce que nous avons des églises, ce qui veut dire que nous avons aussi des bâtiments et des terrains dans différents pays, effectivement, qui sont attachés véritablement aussi à nous en ces lieux, et que nous avons cette responsabilité de pouvoir conduire aussi ce peuple qui est là-bas aussi, pour qu'il entende effectivement aussi la parole de Dieu et soutenir aussi tous ceux qui sont aussi des conducteurs là-bas, qui les aident aussi à pouvoir marcher avec les seigneurs et à écouter aussi la parole. Merci pour le soutien que vous avez aussi apporté pendant toute cette année qui vient donc de passer aussi. Vous avez, sans le savoir, assisté beaucoup de familles, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs aussi, et aussi par vous aussi. Nous avons pu avoir aussi la possibilité d'avoir des églises aussi en différents endroits, soutenant les uns comme les autres aussi. Donc que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et vous récompense pour cela aussi. Et aussi, je voudrais aussi remercier aussi personnellement chacun de vous dans ces lieux dans lesquels nous nous trouvons, parce que aussi, si beaucoup de gens de par le monde ont arrive à pouvoir écouter et suivre la parole de Dieu et aussi expérimenter aussi ce que le Seigneur nous a dit dans les Saintes Écritures à partir de cet endroit. Mais c'est parce que vous y avez travaillé aussi. Comme vous pouvez aussi le remarquer, cet endroit est toujours un endroit où quand nous venons, nous sommes dans la joie de pouvoir y être et nous y trouvons aussi effectivement aussi les choses bien propres. Mais c'est parce qu'il y en a de ceux-là qui se sont consacrés pour pouvoir travailler et nettoyer en cet endroit. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous tous. Et un grand merci aussi à chacun. Il est vraiment l'heure. Je vais lire une écriture et puis bon, on va prier. Et puis nous allons passer de l'autre côté là-bas pour que nous puissions procéder à ce qui est donc nécessaire et cela je lirai et puis bon nous prierons quand même que le Seigneur nous aide. C'est dans le livre des Hébreux au chapitre 6. Hébreux au chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 7. Hébreux 6, verset 7, il dit « Lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile assez pour qui elle est cultivée, alors elle participe à la bénédiction de Dieu. » Lorsque elle produit donc une herbe utile, elle donc participe à la bénédiction de Dieu. Mais par contre, si elle produit des épines et des chardons, elle est donc reprouvée et prête d'être maudite. Et on finit donc par y mettre donc le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne. Vous avez vu d'abord comment il y a eu à pouvoir présenter les choses, effectivement, en rapport avec la pluie qui abreuve la terre, effectivement, que la terre qui est donc appelée à pouvoir donner ce qui est, parce que les ronces et les épines ne sont pas nécessaires pour nous. Dieu ne va pas faire pleuvoir, que Dieu te bénisse, il ne va pas faire pleuvoir la pluie pour des choses inutiles, là. Il va pas faire pleuvoir pour que nous ayons des ronces et des épines. Est-ce que qu'allons-nous faire avec des ronces et des épines? Est-ce que vous comprenez? Dieu fait pleuvoir pour que tu aies quelque chose qui soit bien. Le blé qui doit germer pour avoir du pain qui participe à ta bénédiction, ton bien-être, effectivement. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, quand Dieu fait une œuvre en toi, quand Dieu veut, quand Dieu manifeste quelque chose au travers de toi et en toi, il attend quelque chose.
Ah, que Dieu nous aide, mon frère et ma sœur, que nous puissions comprendre effectivement qu'est-ce que... Bon, nous continuons d'abord, parce que je dis que nous allons juste aller vite là-bas pour les services. Regardez très bien, je lis. Il continue de dire, maintenant, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables donc au salut. C'est-à-dire que Dieu notre Seigneur n'attend pas la médisance, les murmures, les calomnies, les ceci. Non, 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 non. Ce n'est pas pour cela que Dieu vous a rassemblé. Non, non, monsieur. Non, 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 madame. Dieu nous a rassemblés pour que nous puissions manifester les meilleures choses que Dieu nous a données. Souvenez-vous, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que toi et moi, nous les pratiquions, afin d'avoir cette communion rapprochée entre mon frère et ma soeur. Cette année, frère, nous devons être déterminés, frère et soeur. Oh, que nous soyons meilleurs, mon frère. Que la vie de Christ en nous, mon frère, me rapproche de mon frère, me rapproche de ma soeur. Que nous expérimentons la Pentecôte, mon frère. La vie de Christ. Parce que c'est pour ça que Dieu nous a mis à part, effectivement, pour que nous puissions arriver à pouvoir manifester cette vie, comme on dit, vous êtes effectivement des lettres écrites. Ah oui, non pas de langue, mais avec le sang de Christ qui a été versé, effectivement. Comme l'Écriture dit, mais vous avez été rachetés. Oh, ce rachat a été fait par un grand prix, donc un grand prix qui a été payé pour votre rachat. Oh là 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 là, que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur. Nous continuons juste l'Écriture. Il dit, voilà, et car, verset 10, il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Ce don pour lequel nous vous avons remercié aujourd'hui. Nous ne sommes que des hommes. Mais si un homme peut être touché et n'est pas oublié ce bienfait, à combien plus forte raison Dieu, quand vous faites, il dit, mais si quelqu'un donne un verre d'eau à l'un de ses plus petits, de mes disciples, il ne manquera jamais sa récompense parce qu'il a fait cela à cause de mon nom. Oui, monsieur. Donc, chaque chose que tu vas faire, le moindre que tu peux faire, mais avec autant d'amour à l'endroit, que ce soit des docteurs, que ce soit des Jonas, mon frère Jonas, évidemment, mon frère Julia, Christian, effectivement, ou notre soeur Brunette, effectivement, ou ma grande ici, effectivement. Donc, chaque chose que vous faites, ne dites pas bon, ah, bon, je fais. Non, 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 non. Chaque chose, même les petits arachides que tu donnes. Mon frère et ma soeur, permettez, bon, asseyez-vous, puis on va prier. Jusque que vous puissiez comprendre. Parce que je vais m'arrêter pour notre frère. Regardez, parce que vous dites, mes frères, tu dis, mes petits, regardez mon frère et ma soeur. Élie, serviteur de Dieu. Dieu lui dit, va à Sarepta. J'ai ordonné. J'ai ordonné, moi, à une veuve de prendre soin de toi. Vous savez, j'ai toujours été touché par cela. J'ai dit, je t'aime, mon Dieu. Oh, frères et sœurs, soyons bons. Amen. Cette veuve-là n'avait pas entendu, ainsi parle Dieu, l'Éternel, que je te demande de préparer. Non, 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 non. Dieu a parlé de lui, je l'ai ordonné. Amen. Alléluia. Donc, sans savoir, mais quand Dieu a dit, je l'ai ordonné, c'est qu'elle a disposé. Oui, le pouvoir. Et puis quand Élie est parti là, Élie est parti avec assurance. Faites, soyons frères et sœurs, que quand ton frère et ta sœur quittent chez lui à la maison et qu'il vient chez toi, qu'il ne puisse pas te trouver, oh, bonjour, ah, bonjour frère, bonjour sœur. Mais qu'il rentre chez toi et dit, je suis chez mon frère. Je vous en supplie, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Parce qu'en fait, je veux que vous compreniez ceci, que toutes ces choses sur lesquelles nous nous agrippons, ils vont rester. Amen. Si je les ai aujourd'hui, Dieu me les a données, c'est pour que j'aide mon frère. Amen. Et ma sœur, pour le peu de temps que nous avons, Amen, utilisons ce que nous avons pour aussi rendre service à nos frères et sœurs.
Parce qu'un jour nous partirons, ces affaires vont rester. Tu partiras où avec ta voiture? L'enlèvement aura lieu, ça va rester. Tes maisons, tu partiras où avec? Ça va rester. Ah oui. Comprenons bien, très bien, effectivement, que ce que Dieu a fait de nous, ce que nous sommes censés pouvoir être, c'est aussi rendre heureux. C'est pour ça que la Bible nous dit une chose, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qu'est-ce qui va se passer? Les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de... C'est les mauvais esprits, en fait. L'égoïsme, effectivement. Surtout dans un temps pareil, effectivement. Ah, on peut pas parce que c'est la crise. Non. Frère, quand ton frère vient à la maison, si même il veut prendre 3 douches par jour, ne va pas dans la cave pour réduire l'eau. En disant bon, et puis, hein, tout d'un coup, il rentre sur la douche, comme ça, il voit un petit filet. Ah, il n'y a pas d'eau. C'est quoi, filet? Ah, c'est que les robinets. Ah. C'est toi qui as réduit les filets là-bas en bas. Non, ouvre les robinets. C'est pour ça qu'on dit, mais soyez libéral. Amen. Ne retenez pas. Amen. Celui qui retient les blés, il est maudit. Amen. Celui qui donne, il est béni. Amen. Nous sommes contraires aux mœurs de ce monde, mon frère. On ne peut pas être comme ça parce que même dans la crise, Dieu nous bénit. Amen. Oui, Élie, il y avait la crise. Mais Dieu a dit, mais quitte ici maintenant, dit, mais il y a la crise, il n'y a pas de problème, mais j'ai ordonné au corbeau, C'est pas une image, mais une réalité. Oui. Le corbeau, là, coin. Oui. Venez avec la nourriture le matin et le soir pour nourrir les serviteurs de Dieu, frère. Oh, que Dieu nous aide. L'État. C'est ça notre problème. L'État. Que notre frère doit faire la distance qui est là-bas et que le Seigneur, notre Dieu, nous soutienne et qu'il nous accorde le soutien et les secours dont on a tellement si besoin. Frère, soyons sûrs et certains. Même il est dit, même dans les livres de Malachie, chapitre 3, que ce soit même pour ta dîme que tu n'aie pas de remords. Ta dîme que tu payes, tu la donnes à Dieu. Il va te redonner, mon frère. C'est un Dieu qui tient à ses promesses. Et puis, plus bas, il dit ceci. Il dit, mais à ceux qui craignent l'Éternel, il dit, mais ils seront à moi. C'est écrit, hein? Parce que Dieu ne peut pas oublier chaque geste, chaque chose que tu fais pour la gloire de son nom. Même un petit t-shirt que tu as donné à un frère. Et que Dieu nous aide. Si on pouvait reculer les temps. N'est-ce pas vrai? Parce que, vous savez, je crois que c'est un... On parle de lui, c'est Patrick, je suppose, c'est d'être lui, effectivement, il était un soldat, quelque chose comme ça. Et puis bon, il partait, et puis il a vu qu'il y avait un mendiant, qui était là, couché, c'était pendant l'hiver, il n'avait pas de manteau. Et comme il avait un manteau des soldats, effectivement, il a pris son manteau, il l'a coupé en deux. Et puis il a pris un morceau qu'il a couvert le monsieur, et puis un morceau resté chez lui. Et quand il est rentré chez lui à la maison, effectivement, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu cette vision que le Seigneur l'a visité. Quand il a vu le Seigneur avait la moitié du manteau qu'il avait donné. Ah ben oui, ce que vous l'avez fait à cela, c'est à moi que vous l'avez fait aussi. C'est pour ça que ça n'a pas été simplement une musique dans nos oreilles, mais quelque chose à laquelle nous devons persévérer. Seigneur, aide-nous à pouvoir vraiment être comme toi tu veux que nous soyons. Un fils de Dieu doit être vrai. Dans son cœur, dans ce regard et dans ses pensées. Si tout ce qui est en toi est pur, ton regard sera aussi pur. Comme nous pouvons l'entendre aussi, effectivement, ce que le Seigneur attends de toi et de moi. Surtout cette année-ci, ce sont des choses meilleures. L'année qui vient de passer ici, il y a eu tellement de petits problèmes avec celui-ci, petits problèmes avec celui-là, ou celui-ci ailleurs pour voir, je n'ai pas très bien vu son comportement à mon endroit, mais ceci et cela, que le Seigneur nous aide. Amen. Qu'on entende
terre. Le passé. Avec le passé. Pour l'amour de Dieu. Ne transportez pas les dossiers de 2020 en 2021. Brûlez-le là-bas en 2021. Ne retiens plus un dossier contre ton frère, ni contre ta soeur. Brûle-le là-bas. Maintenant, en 2021, je commence un nouveau jour, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et passer de l'autre côté.